Et salut à tous et à tous, bienvenue pour un nouveau live, une nouvelle vidéo avec Captain Shadow. On est en compagnie du tonton Loumé, c'est présent. Et on est en train d'avancer évidemment Division 2, l'extension Warlord of the New York, si je me trompe pas, les seigneurs de New York. Seigneurs de guerre de New York, pardon. Et on est parti pour leur casser la gueule. Donc comme le tonton Loumé n'a pas fait les épisodes d'avant, je vais pas vous faire un récap. Je vous laisserai aller checker la première vidéo qu'on a fait, voir ce qui se passait avec Monsieur Drone. Et nous, on avance pour faire la dernière mission de Monsieur Drone, pour récupérer ses informations. Et après, on ira attaquer donc un autre lieutenant de Aaron Kinner. J'ai réussi à faire une heure du live précédent. J'ai réussi à faire tout Convivalet là. Bon, ça va, c'est rapide. Conry Island, pardon, putain, Convy Island, ouais. J'ai essayé de faire les deux missions en une heure à peu près. Donc au moins, ça m'a permis de faire qu'une seule vidéo dessus, quoi. Bah, là, ce sera la vidéo boss, en fait. Yep, là. Ah, t'as vu le nouveau truc aussi, les mecs, ils s'installent leur propre petite mitrailleuse à la Tachenka de Rainbow Six Siege. Ah, mais ils sont nombreux ces bâtards. Je vois pas de quoi tu parles. Faut juste jouer safe en fait. Là genre habituellement tu sais c'est des petites vagues. Putain là il y en avait une trentaine quoi. Allez sors ta tête. Hop. Merci. Salut Scarlett, comment tu vas? Ah putain, m'a fait peur. Putain. Je monte et d'un coup il y en a deux qui apparaissent, mais tu sais l'un dans l'autre. C'est deux qui avaient fusionné toi avec les pixels. Ça m'arrive, mais du coup des fois ils étaient trop. Moi j'ai déjà eu un groupe de 4 qui étaient fusionnés. Il y avait juste un truc jaune à côté de toi. Ouais je sais, mais j'attendais que tu me dises. On pourra rien faire ici tant qu'il n'y aura pas d'électricité dans le bâtiment. D'après les plans, il y a un local électrique au premier étage. Allez-y et faites le nécessaire, agent. Ça va. Bon, on a un petit peu de retard pour le lancement du live pour des raisons personnelles, allons-nous dire. Je vais rester ici un petit peu la pendant que vous rallumez la lumière. J'ai tout mon temps. Écoutez, je sais que vous aimez jouer les vieux grognons et que personne dit jamais rien. Comment on fait pour nous? Ah non, d'accord, faut repasser par le côté maintenant. Alors lâchez-nous un peu et encombrez pas les communications. Si vous pensez pouvoir tracer le serveur sans moi, allez-y. Mais faut pas se mentir, vous avez besoin de moi. Voilà, en fait, il fallait ouvrir deux portes en même temps. Allez, on remet le courant. Félicitations, vous avez magnifiquement rétabli le courant. Maintenant, trouvez un ordinateur et redémarrez le réseau. En haut, il est à gauche. Dans la salle, juste à ta gauche. Gain ? Je suis en bas, j'attends. Ah ! Tu t'en occupes ? Hmm ? Non mais là, en fait, monte à l'étage. Il y a un câble rouge qui sort de sous les caisses, en fait, à mon avis, ça doit être le câble qui permet d'ouvrir la porte. Non, il faut trouver l'ordinateur, là. Mais l'ordinateur, il est derrière une porte qui est verrouillée. Ah. Et, non, mais de l'autre côté. Bon, attends, j'y vais, ne bouge pas de là. Attends, je regarde. Parce que je me comprends. Mais non, elle est pas verrouillée pour ça. C'est bon, elle est ouverte. Elle est verrouillée pourquoi? Il y avait un cadenas de l'autre côté. Oh putain, mais t'as vu le câble rouge qui sortait dessous là? Ouais. Moi je suivais celui-là en fait. Non, il était juste verrouillé de l'autre côté. Du coup, je te laisse utiliser l'ordinateur. Ça arrive. Live. En gros, fallait te mettre là où t'es là.
et tirer. Ah putain, mais je pète des boulets des fois. C'est la fatigue. La station est opérationnelle et c'est là que ça se corse. Il faut connecter Isaac à la parabole pour pouvoir accéder au serveur de Parnell. Twink. Moi, tu nous fais une petite musique d'ascenseur ? Il nous faut une clé pour accéder au toit. Oh, flemme. Essayez le bureau du chef. Il n'est pas loin. Vas-y, cherche le truc. Moi, je prenais le sniper. Ah, sécuriser la zone. Waouh ! Ah, voilà, fais gaffe que le mec, c'est un lance-clou qu'il a. Et ça fait très mal. Fais gaffe que son arme, c'est un lance-clou. Et ça fait très très mal. Ouais, ça va. On est deux, c'est plus simple à gérer. En solo, honnêtement, je l'ai affronté en solo, le mec. Il m'a mis une trique, mais monstrueuse. Hein. Oh, il m'a fait chier. En fait, tu sais, le bouclier, il tombe jamais. J'ai vidé, je crois, quasiment 300 balles de fusil de mitrailleur. Il tombe pas, le bouclier. En gros, t'es obligé d'attendre qu'il recharge. Non, non, il y a une technique pour le faire tomber. Faut tirer dans la jambe. Quand tu tires dans la jambe, il va bouger un peu le pied, le bras en mode « aïe ». Ouais, moi, là, j'ai essayé ça, mais j'ai essayé aussi, tu sais, le... d'attendre qu'il recharge ses tirs pour pouvoir lui péter les capsules qu'il avait dans le dos. Mais tu prends un temps infini. Ouais, il y en a beaucoup là. Oh, il s'est pris la fléchette dans la gueule. Oh, il s'est pris la vilaine flèche d'arbalète. Et tu me couvres? Bah, s'il y a du monde. Accès accordé. Ok, j'y suis. Il va juste falloir gagner un peu de temps pour que je puisse trouver le serveur de Parnell. Et non, je ne sais pas combien de temps. Il va vous falloir un peu de patience, agent. Moi, je me suis dit, je me réserve la petite rousse et enflammée pour la dernière des lieutenants. La Viviane, je la fous. Ouais, la, tu sais, les 4 lieutenants là de Keener. Tu sais, tu peux les faire dans l'ordre que tu veux. T'as pas d'ordre limité. Salut mon petit monsieur madame, quand tu vois. Non, t'as pas d'ordre limité, c'est ça qui est bien. Donc, pour ça, j'ai dit, je me garde la petite rousse des nettoyeurs. Tu sais, la chef des nettoyeurs. Je me la garde pour la fin. Je m'en occupe. Comment tu vas, mon petit monsieur madame? Qu'est-ce que tu nous racontes de beau? Un lance-clou. Nice. C'est fait. T'as vu les snipers qui se basent avec leur propre bouclier? Ta gueule. Trop de bruit. Moi ça va mon petit monsieur madame, t'as dû voir un peu le barda Discord, donc on a pu tout régler au moins. Maintenant on va être un peu plus tranquille. Sinon à part ça, pas grand chose. Et toi, qu'est-ce que tu racontes de beau? La petite femme, t'as des nouvelles? Elle va bien? Ça se passe bien ses examens? J'y suis presque. Réaligner une dernière fois. Ah tiens, monsieur madame, demain je ferai sûrement du rocket sur le... sur l'œuvre de la Frenchie comme on avait fait la dernière fois, si ça t'intéresse. Oh. Ah, il y a un doré ici en mode batteuse. Il y en a un qui vient de poser une tourelle. Bah c'est lui. Connexion établie. Et voilà. Sa batteuse, elle tire pas quand il est mort, c'est ça? Non, au moins elle s'arrête quand elle est morte. Comme les drones. En bas, il y en a un.
Bah envoie un petit message peut-être à Gigi s'il veut venir. Demain moi je stream de 16 à 18. Donc demande à Gigi s'il veut venir, comme ça on fera notre petit trio qu'on avait hier. Qu'on avait la dernière fois. On a juste déplacé le problème d'un serveur à un autre. Je vais y jeter un œil. Je dois pouvoir utiliser la montre de Parnell pour le décryptage. N'oublions pas, Kinner est toujours dans la nature et chaque seconde compte. Merci agent. Mission achevée. Quitter la zone de mission. 200 580. Parnell était l'un des alliés les plus discrets. L'XP, ouais. Mais les deux hommes ont travaillé ensemble sur plusieurs projets. C'est certain attention. Que sa disparition va mettre un coup d'arrêt au plan Kinner. J'utilise une petite thématique. Pour décrypter le déni de son serveur. Moi j'ai une petite thématique là. Ça prend du temps, mais on dirait que ça fonctionne. Je vous préviendrai dès que j'aurai des infos exploitables. Parce que je l'ai pas eu. On en est où, Faye? Et heureusement, comme ça ne spoil pas. Mais c'est pour ça, c'est ça qui est bien. Pour effacer ses traces. Ça vous étonne? Bien sûr que non. Et ça m'énerve. Il joue avec nous. Il se fout de nous en nous regardant chercher. On va le débusquer. Il se cachera pas. Ah, cache de maîtrise d'armes en violet. Niveau 24, 34. Et ça me débloque un fusil. Oh, un fusil d'assaut 29,5. Ah, oh, c'est peut-être plus grand que ce que j'ai, non? Dis-moi que c'est mieux. Oui, je serai plus stable. Oui, c'est bien, mon petit. Vas-y, fais un salto. Fais plaisir, papa. Non, ça ne fera pas. C'est bien, je mets un max de stabilité. Comme ça, quand tu tires, l'arme, elle bouge pas. C'est horrible. T'as l'impression de pas tirer en fait. Ah ouais, non, mais ça c'est. Par contre, quand, par contre, le laser que ça lui fait au mec, ça rase quoi. Merci de m'avoir entendu. Fatigué. Bah, votre poser mon cœur de travail demain en plus. Je suis fatigué, vous deux, et j'y vais. Soumis bah non, il est revenu à sa place. Fouillons la zone le temps que tu fasses des choses. Il va fuir. Ah, il y a un ennemi dehors. Ah, tu te sens mieux dans ce bas là Bah comme ça je peux garder. Ah tiens, il y a la caisse de Riker, poteau. Caisse de Riker. Ah, je l'ai même pas vu. Que je viens d'ouvrir, comme ça t'as pas besoin d'utiliser la clé. Oui donc. Oh. Oui parce que comme ça au moins je peux rester, j'ai un short comme ça au moins pas besoin de mettre le pantalon, pas besoin de machin, je suis tranquille quoi. Je suis un peu plus aéré. Tu es aéré. Ah bah nickel, ça donne les noms. Je vais choisir soit James Dragoff, il y a 3 missions, ou Javier Kajika, il y a 4 missions. Javier, si je me trompe pas, c'est le mode en, le mec en mode Assassin's Creed avec sa machette. Et Dragoff, c'est le mastodonte. Non, on prend le mec d'Assassin's Creed. Par contre, j'ai un sniper à 192k si tu veux. Attends, deux petites secondes, je vais dire le mien. Je suis à 197,8. C'est bien le virgule 8. Moi j'enlève les virgules parce que bah, c'est pas utile. Alors, entre hop, 21 attends. Et 21,5, c'est la même chose. Ouais. Je marque juste le point de départ. On se tape au refuge. Et let's go! C'est parti les amis, nous on va les trouver, et je vais finir ton cul, pardon. Quoi? Ça semble être une bonne idée de chercher. La violence. Mais non, c'est 22h. Et même plus que 23h, t'as commencé à plus de 22h le live, oui. Donc... Bon, pour une ça. Fois que t'auras fini la première partie de la mission, tu te tépéras à moi. Pourquoi y'a quoi? Hein? Pourquoi? Moi je serais déjà dans la planque. Ah tu l'as là? Ah oui mais tu m'as dit oui, t'avais dit à la planque oui, là-bas. Que bah moi je pouvais parler à personne, donc le truc de pouvoir parler à personne bah... Ouais c'est pas fou. Bah tu peux m'attendre dans le truc au pire. Dans le cas tu pourras te taper à la planque et je te tape à la planque. En fait même là c'est piste sur la cible, il y a marqué aller voir la communauté religieuse, on est d'accord? Moi c'est juste immeuble en quarantaine, 0,2 km. Ah parce que... Ouais. Que là en fait c'est moi, faut que j'aille dans la zone et tu sais t'as le grand cercle jaune. Ouais. C'est pour ça, moi j'ai pas de mission particulière, c'est juste va là-bas et trouve une trace du mec quoi. En mode de l'exploitrice, ouais. La dominatrice, il y a mis. Ah, la dominatrice. C'est Dora de Grey. 50 nuances de Dora. 50 nuances de Dora. J'adore, c'est que je me suis
je me suis mis dans la planque et je peux la débloquer de l'intérieur. Ah, ce que j'ai pas eu encore. C'est pour ça. Je te laisserai la débloquer de l'extérieur alors. C'est quand même cool de pouvoir la débloquer de l'intérieur. Mmh. Examiner la balise de détresse des agents de la paix. Ah oui, je vois. Ils ont aucune chance contre un homme comme lui. Profil d'agent détecté. Tourelle enregistrée à Et normalement cette branche là quand moi je l'avancerai, quand je l'avancerai avec toi, ça va l'avancer sur ma partie en même temps. Ouais, vu qu'on est au même niveau, ouais. C'est toujours possible de les trafiquer. Enfin, là je suis encore un peu devant toi vu que je pourrais déjà les en approche. T'as j'ai TP sur moi comme ça on fait la mise ensemble. Je fais toujours de l'XP et des loot en plus quoi. Ouais, ça. Donc on a la preuve que Kajika est passé par là. Mais il nous faut une vraie piste. Allez voir à l'église du coin. Ah bah, allez voir à l'église du coin. Les patrouilles dans la zone. Ils auront peut-être quelques renseignements à vous fournir. Bah, j'ai mon TP. T'aurais dû me dire qu'il y avait juste deux ennemis à la con à tuer et que c'était fini la mission. La mission la plus courte du monde! C'est la première petite mission, ouais. Je suis derrière toi au final. Mais quelle armure de merde! Ouais, vraiment merdique son armure. Ouf, ouf! Dispositif portable détecté. Ah, c'est une église. Planque débloquée. Non. Mmh. Non. Quoi? Bah je peux pas parler à la meuf. Ça te fait mon bug. Mais c'est quoi ces bugs? Mais sérieusement quoi? Les gars, je veux bien quand vous sortiez une DLC, qu'on a un petit peu en avance pour jouer en PC. Pourquoi on peut pas y jouer? Toi aussi ça te fait le X qui charge et qui ouais s'arrête. Il charge en fait il charge complètement hein, mais y a rien qui se passe ah, quoi ouais. Et bah ça me fait ça sur toutes les quêtes comme ça. Ah bah je suis content déjà d'avoir pu faire Amen mais bon ça fait chier. C'est dangereux. Oui, je sais. Ah, la connerie des quêtes. Tu veux aller voir l'autre côté si ça fait la main on... Spoiler oui. Le mec, il en peut plus, tu sais. Spoiler, oui. Ça même merde. Mais moi, ça me le fait sur les 4, donc c'est encore pire. Putain. J'ai réussi à en finir une. J'ai réussi à en finir une. Je veux bien que le jeu ait un bug, mais qu'il l'ait partout. Non. À poser de piquer, voilà, le bug, on l'a déjà eu dans la save de Lumé, qui, lui, n'a pas fait les trois premières missions qu'on a fait dans le dernier épisode du Mechodrone. Donc, il a vu la dernière mission, mais il n'a pas pu voir les trois premières missions, ce qui fait que lui, bah, lui, il est bloqué, il n'a pas pu faire un seul lieutenant. Nous, on a réussi au moins à en faire un, déjà. On va aller voir l'autre mec débloquer l'autre planque. Et après, si vraiment ça bug encore, bah, on coupera là le temps que... Ils disent d'aller à la planque, c'est ça?
Mais non, là je me suis verrouillé la planque. Mais tu sais, mais faut que je me rapproche dans tous les cas, donc Ouais, ou alors tu te tépais sur moi. Pour aller à la planque. Ah oui, tu es aussi, ouais. Bah oui, j'ai débloqué toutes les planques parce que je pouvais pas faire mieux. Bah c'est pas faux. Voilà, bonjour monsieur. Vous êtes chez les hippies. Répondez, agent Lowe. Ici l'agent Lowe. On a été attaqué. Les Rikers ont ciblé le refuge de Hell's Kitchen. Tout le monde va bien? Non, c'est un désastre. Ils ont franchi le périmètre. Comment? Les tourelles étaient désactivées. Dispositif électronique portable détecté. C'est pareil. La truc. C'est pareil. Bravo. Les trucs bien buggés. Des civils ont besoin d'aide. Putain. J'y crois pas. Eh, tu croyais pas quand je t'ai dit que je pouvais en faire. Ah non, mais je croyais parce que j'ai vu le truc qui buggait aussi pour là. Mais ça fout les boules quoi. Quand tu dis que t'as payé ça. Moi, 24 balles, c'est ça. Je suis en train de regretter de l'avoir pris en fait. Les agents de la paix de Rhodes à Two Bridges ont noté les déplacements des nettoyeurs pendant quelques jours. C'est une bonne occasion d'en savoir plus sur Conley. Elle est queue et chemise avec les nettoyeurs. C'est pas la même chose d'arriver à faire dégoûter quelque chose à quelqu'un. On retrouvera sa trace. Dispositif portable détecté. Civil en danger. En plus, et pourquoi on est tout, le truc qui est top, c'est quand même qu'on est bloqué dans l'extension tant qu'on n'a pas fini l'extension. En plus. Donc comment on peut son perso, en fait. Comment on peut ne pas péter un câble sachant que notre personnage principal qu'on a monté en fait ne peut pas revenir en arrière si il continue de bugger quoi. C'est bien, c'est cool. Pratique. Très pratique. Cette opération est sûre. On dit qu'aucune opération n'est jamais pas à 200 millions. À 200 000. Mais si vous vendez maintenant, les bénéfices sont garantis. Mais si je vends, cela menace la stabilité de la société, non? Quand les gens arrêtent de manger des avocats parce que ça profite au cartel, toute une économie s'effondre. Il faut pas s'inquiéter des conséquences, surtout avec un coussin de quelques millions. Je ne sais pas. Mon coussin est déjà assez gros. Vous ne voulez pas l'argent? Parfait, j'ai une autre société qui cherche des investisseurs. Je peux vous présenter au conseil. Prenez les profits de temps et rien d'étiser. En train de m'occuper d'une exécution là. Tu viens d'éliminer toute une team en même temps. Oh bravo. Il t'avait rien demandé? Aussi, me t'inquiète. C'est ça, oui. Tout ça, tu dis ça parce que c'est un battle royale, c'est ça, hein? Bah oui. Faut bien trouver une excuse pour se battre. Nouveau contact, ce style détecté. Surtout que j'ai un objectif à faire des éliminations en pistolet. Ouais, t'as bien marché en fait. Hein. T'as bien marché. Hein. Bah oui, je m'arrête jamais. Ah, t'as une mission annexe, c'est vers là que bas, tu vois. De quoi? T'as une mission annexe? Non.
Je suis en train de faire un truc de événement public. Parce que plus loin, je vois une mission annexe. C'est le truc de la gonzesse, là, de la meuf. Des nettoyeurs. C'est le truc où il faut... bah, pareil, la zone jaune où il faut fouiller, quoi. J'ai l'impression que la musique est 15 fois plus forte. La musique est très forte quand même. La musique est très forte. Une petite prime si tu veux. Vas-y, de toute façon, on le fera au pire avec un cours de route. Parce que moi là je vois vraiment une mission, t'as une mission normale et au milieu t'as une mission annexe. Bah moi sur ma carte tu vois rien mon pauvre. Ah mission annexe mais rejouée, je pense que tu l'avais déjà joué. Ah ça doit être une des missions tout court que j'ai dû faire, ouais. La mission annexe j'en ai pas vu moi dans la DLC donc Écoute moi là quand je regarde ma map il y a marqué mission annexe. Donnez-leur un coup de main et écoutez ce qu'ils ont à raconter. J'ai mis le point, c'est au Brooklyn Bridge, c'est juste là en fait, tu l'as dépassé. Non, tu l'as pas encore dépassé, je crois. Ah oui, non, c'est pour libérer ça, d'accord. Moi, c'est rejoué parce que c'est déjà. Oh, ça m'a lâché un doré. Ouais, moi aussi. Allez demander aux gens de la communauté ce qu'ils savent. Les taux se resserrent. Et voilà, ça c'est pour aller voir le dernier. Là, je m'équipe juste des trucs que je viens de récupérer. Tu sais quoi, je vais pas me TP histoire de voir si c'est pas ça le bug, même si bon, moi j'ai pas eu me TP. Est-ce que toi tu buguais déjà dans la session de base donc. Et tu vois là, tu viens de prendre ce poste. Quand on repasse tout à l'heure, il va falloir le reprendre parce qu'il sera aux mains des autres. Et... Ouais, il sera considéré comme un poste. Comme un poste de contrôle, je veux dire. T'as regardé le pauvre. Point de contrôle ennemi à proximité. Buggy soft, là c'est buggy soft, t'as raison. Je te laisse y aller pour que tu vois toi. Dispositif électronique détecté. Y'a que le truc des ordinateurs qui se débloque, qu'on a les projets qui apparaissent, mais c'est tout en fait, on peut pas parler au mec quoi. Ouais c'est ça. Et je pense que toi t'as réussi à débloquer parce que bah t'as été dans les premiers à passer pour les quêtes. Ouais, sûrement. Et du coup là ça est en train de saturer complètement. Putain. Ça fait chier quand même. Là au marchand tu peux que vendre. J'ai pas vu que j'avais débloqué un pistolet nommé.
Ah, moi, par contre, il y a une arme nommée que j'ai pas arrêté de démonter. Hein. C'est quelle? Le bouclier d'Emeline. Pareil, j'ai au moins 5, j'ai 5 exemplaires, je crois, dans ma réserve. Arme unique, j'ai au moins une dizaine d'exemplaires, minimum. Là, pour dire, j'ai l'enforceur, donc le fusil à pompe, là, level 40 qui nous file, là, exotique. Les ténèbres, donc ça, c'est arme unique, arme nommée. En arme exotique, j'ai chopé aussi l'impitoyable, donc c'est l'AK-47 à balle explosive. Et après, en arme unique, j'ai le commando, donc un sniper, grand bâton d'Ekim, un sniper, bouclier d'Emeline, et changeur, tsunami, outil d'artiste, bouclier d'Emeline, tueur à titré. Et là, je viens de débloquer un pistolet, le paratonnerre. Alors, je t'explique, hein, moi, le seul truc que j'ai en goldé, là, c'est l'enforceur. Toutes les autres, je les ai démontées. Dispositif électronique portable détecté. Et ben c'est bien bugué les gars. Donc il va falloir qu'on attende qu'ils nous fassent un petit patch pour débloquer ça, parce que c'est super. Ou qu'on trouve une solution pour pouvoir débloquer ça. C'est bien payé pour ça. Ouais. Sachant que le jeu sort demain, donc avec un peu de chance, il y aura peut-être un patch demain. Espérons-le, en tout cas. Qui débloque un peu tout ça. Mais en tout cas, pour ceux qui regardent la vidéo pas YouTube, on va s'arrêter là, parce que ça sert à rien que je tourne pendant 3 heures pour vous rien vous montrer. Donc, pour tous ceux qui regardent la vidéo pas YouTube, je vous dis bien moi à la prochaine. Et pour les autres, je reviens tout de suite. C'était Captain Shadow. Ciao. Ciao.